L'ancien de la RATP, je conduisais le métro de ces rames qui se conduisent toutes seules, si vous savez. Alors, si je suis venu à cette assemblée, c'est par sympathie pour les gilets jaunes et surtout par curiosité. Car pour moi, ces réunions, je n'y crois pas beaucoup, même si je suis en train de changer un petit peu, là, depuis tout à l'heure. Oui, car vous n'allez pas me faire croire que depuis plus de 3 mois que les gilets jaunes sont dans la rue, que notre président ne connaît pas vos revendications. Il nous prend vraiment pour des imbéciles ou des ignorants. Moi-même, qui ai des trous de mémoire, qui ne suis plus dans le coup, contrairement à notre président, je peux vous en citer quelques-unes. Augmentation du pouvoir d'achat. Augmentation du SMIC. Suppression de l'ISF, suppression de la CSG pour les retraités, une retraite décente pour tous et à 60 ans, maintien des services publics dans nos communes. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre de leurs produits et de leur travail. On n'a pas besoin de plus de policiers et de radars, mais plus de personnel dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, plus de profs, plus d'instituts dans nos écoles. Et je m'arrête là car il y en a beaucoup d'autres, comme sur les impôts. Le 80 km/h, etc. Pour terminer, je voudrais m'adresser aux gilets jaunes, à ceux qui se disent apolitiques. Mais que fait M. Macron, son gouvernement, ses députés, si ce n'est de la politique? Et je voudrais leur dire de réfléchir. Car toutes les fois qu'il y a eu des avancées dans ce pays, c'est avec l'aide et le soutien des syndicats et des partis politiques. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.